Bon, nous sommes toujours au salon de l'agriculture avec Patrick. On est bien entouré là. Oui, nous avons Chloé et Charlotte. Bonjour. Bonjour. Donc, Miss Champagne-Ardenne et Miss Ardenne, donc les dernières en date qui ont été élues septembre 2016 et qui ont concouru au titre de Miss France, bien sûr. Il n'y en a qu'une qui a concouru à Miss France. Oui, c'est ça. Je suis partie un mois pour Miss France et ça a eu lieu le 17 décembre et c'est passé sur TF1. Comment ça s'est passé ce concours pour vous? Expliquez-nous un petit peu. Bah, ça s'est plutôt bien passé puisque déjà je rencontrais les 30 candidates des autres régions et que je me suis très bien entendue. Ensuite, il y a vraiment une bonne ambiance au sein de la société Miss France et c'est impressionnant quand même de faire un spectacle comme ça. C'est passé devant 8 millions de téléspectateurs, on est parti à l'île de la Réunion, enfin c'est plein, c'est un rêve éveillé. Hein, c'était vraiment la favorite? Miss Guyane, vous parlez, c'est ça? Non, en fait, pendant le mois, on s'est pas vraiment rendu compte. Après, elle est vraiment... Enfin, c'est vraiment une très jolie fille. Et voilà, ça fait du bien aussi un peu de voir des filles des îles remporter le titre de Miss France, tout simplement. Vous avez gardé contact avec elle? Oui, toujours un peu. On a toujours contact avec les autres Miss. Je sais qu'il y a Miss Martinique qui est pas loin là-bas. Donc oui, on se parle toujours un petit peu parce qu'on s'entendait bien, en fait. Pendant un mois, on a vécu H24 ensemble, donc on est devenus amis, quoi. Donc alors vous n'avez pas participé à Miss France, expliquez-nous d'ailleurs, alors vous êtes Miss Ardennes et Champagne-Ardenne, expliquez-nous, vous êtes départementale et régionale, c'est ça? Donc voilà, c'est ça, en Champagne-Ardenne il y a 4 Miss, la Miss Marne, la Miss Ardennes, la Miss Haute-Marne et la Miss Aube, ainsi que 2 dauphines dans chaque département, et ces 12 femmes concourent pour les titres de Miss Champagne-Ardenne pour Miss France, et la gagnante s'envole avec Miss France Organisation, voilà, et la gagnante c'est Charlotte qui était Miss Marne auparavant. Bon, Charlotte, votre avenir, vos projets, c'est quoi? Alors moi, je suis étudiante en deuxième année de pharmacie, donc je compte bien, je continue d'ailleurs les études et je compte bien en faire mon métier. Et puis voilà, c'est une année de Miss que je savoure, mais après, je sais que ça va être fini, donc voilà. Le rêve va prendre fin, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'en garderai des bons souvenirs, mais j'ai hâte aussi de reprendre mes études et les choses un petit peu plus sérieuses. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, votre calendrier. J'imagine que vous devez aussi donner le coup d'envoi des matchs de foot, notamment. Voilà, l'air et moi, ouais. Voilà, l'Estac, plus Reims. Donc, Reims, ils sont pas mal hein, en Ligue 2, là, cette année. Hein. Ça va, ouais, mais on a perdu notre place l'année dernière. Mais oui, ça va. Mon frère, en fait, est kiné au stade de Reims, donc je suis un petit peu, je vais souvent au match. Et effectivement, avant de partir à Miss France, j'ai donné un coup d'envoi pour le stade de Reims. C'était stade de Reims, mais je me demande si c'était pas contre les Stags d'ailleurs. Voilà. et j'espère que vous leur avez porté chance, au Rémois. Même pas. Ils ont perdu. Donc voilà, et puis après sinon j'ai des coups d'envoi de basket, de hand, des séances de dédicaces. Là aujourd'hui je suis sur le salon de l'agriculture, voilà. Ça vous plaît l'agriculture, ça vous passionne? Oui, on mange bien, on boit bien. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous avez mangé? On a mangé de la choucroute, des bretzels, on a fait tout le tour, du saucisson, de la quiche lorraine, du champagne, du vin. C'est vrai que depuis ce matin, on n'arrête pas, hein, tant au niveau des rencontres qu'au niveau de la nourriture. Votre plat préféré, justement? La pizza. Alors moi, je dirais que c'est la tartiflette. Je suis très savoyarde. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme... qu'est-ce qu'on peut déguster dans vos régions? Alors nous, déjà, on a le champagne. À boire avec une modération. Voilà, après, on a les biscuits roses de Reims. On a quoi d'autre? Nous, on a le boudin de Rethel, qui est très bon. C'est quoi, ça? Expliquez-nous un petit peu. C'est du boudin qui vient de Rethel, tout simplement, et c'est très très bon. Du boudin blanc ou du boudin noir? Du boudin blanc, je crois, oui. Oui, je suis... je pense qu'il y a les deux, mais je suis pas certaine. Non, je crois que c'est le blanc. Et pour tout ça, vous faites du sport, bien sûr. Oui, heureusement qu'on a les partenaires qui nous offrent un an d'abonnement à la salle de sport, donc du coup, on peut éliminer les excès. Alors, on vient chez vous, là, dîner. Qu'est-ce que vous nous faites à manger? Plat de région. Je réfléchis. La caca sacunu. Décrivez-nous là. Je connais pas non plus. Comment expliquer? C'est j'ai un peu du mal à expliquer parce que j'en mange. Ça base de quoi? C'est de la viande avec des légumes. Voilà, c'est un petit potage, on va dire, mais bien bourratif, un peu comme la choucroute. D'accord. On prend l'entrée, mais chaud. Ah oui, chaud. D'accord. Et non, on le prend pas en entrée. Je pense qu'on le prend en plat et c'est déjà. Principal. Oui. D'accord. Et vous alors? Du coup, pour le dessert, moi, je vous conseille les biscuits roses de Reims. Patrick, on prend rendez-vous tout de suite. Rendez-vous, voilà.
Dès la fin du salon, dès lundi, on passe chez vous, on déguste les deux spécialités, puis on fera un reportage là-dessus. Bon, on se dit rendez-vous lundi midi alors. Okay. Merci. Avec plaisir, merci. Merci. Merci.